J'espère que vous allez tous bien. Je suis Sandrine Couder, je suis voyante, médium, conférencienne et formatrice en soins énergétiques. Très très heureuse donc de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc après le chaos des législatives, eh bien est-ce qu'on va rentrer dans une France ingouvernable? Donc on va voir ensemble un petit peu l'état de la France actuelle. On va vérifier tout cela. En tout cas, ce que je vous avais dit la dernière fois, lors de la précédente vidéo, j'avais vu qu'il y allait avoir énormément de personnes de gauche. Hein, en fait, les forces de gauche allaient prendre vraiment beaucoup, beaucoup de voix, de députés. Et donc, c'est sorti juste. Voilà. Donc, maintenant, on va voir un petit peu comment vont se dérouler les choses. Alors pour faire cela, évidemment bougie, évidemment on se connecte, on se protège, on se met dans un halo de lumière. Vous savez que je suis médium, donc je vais recevoir des messages qui vont pas forcément sortir par rapport aux cartes, mais moi je vais recevoir des messages évidemment de mes guides, des guides et des esprits alliés. Pour faire ce tirage, donc on va utiliser donc alors peut-être que vous ne le connaissez pas celui-ci, peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. L'oracle de la sorcière noire et des runes, qui est un oracle extrêmement lumineux, il porte le nom de noir, mais en fait il est hyper lumineux. L'oracle de l'archange Michael, que j'adore et que j'utilise très souvent, parce que vraiment il a de très 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 beaux messages. Le tarot de Rider-Waite, également... l'oracle de la triade, vous savez que celui-ci, je l'aime bien. Allez, on y va. On va commencer déjà avec prendre une carte avec l'oracle de l'archange Michael. Alors, merci aux esprits alliés, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés. Merci au pur esprit qui vont venir se connecter aujourd'hui. Merci à tous ces esprits d'être là parmi nous. Et on va voir un petit peu pour la France, l'état de la France actuellement. Et comment va se dérouler en fait ce futur pour la France. Merci. L'antiquité des jours, la flamme éternelle. Bon, alors là, moi, par rapport à ça, moi, ce que je vois avec la flamme éternelle, c'est que je vois ce que la France brille toujours aux yeux du monde. Malgré tous les revers de fortune, malgré les ennuis avec le stade dernièrement à la Seine-Saint-Denis, avec tout ce qu'on entend sur la France, les Français, les problématiques, eh bien c'est quand même et toujours une flamme qui brille aux yeux de tous, aux yeux du monde. Il y a toujours autant de visiteurs, autant de touristes, autant de personnes qui veulent venir en France et qui aiment ces énergies, se connecter à ces énergies. Donc déjà ça c'est une très très bonne carte. Alors, on a une carte là qui est retournée, qui est complètement retournée. Regardez, on a toutes ces cartes et la seule qui était retournée, c'est celle-ci. Donc, les prises quand même, parce que c'est quand même incroyable. Alors, derrière, on a quoi? L'ange guérisseur, derrière le paquet. On a l'ange guérisseur, regardez, qui tient la terre là entre les mains. Donc, ça prouve bien que quand même, on a des protections en France. Hein, parce que là, moi, je considère que c'est pour la France, puisqu'on fait le tirage pour la France. Donc, on a quand même l'ange guérisseur qui est là pour venir guérir. Et on a le maître Sananda qui est la maîtrise. Regardez le maître Sananda. Il a le chakra du cœur qui est lumineux. Regardez. Vous voyez le chakra du cœur ici, pour ceux qui ne connaissent pas. On a tous des chakras. On en a 7 et donc celui du cœur, il est bien au centre de la poitrine, n'est pas situé sur le cœur, mais au centre de la poitrine. Et là, il est tout lumineux, il déploie ses ailes. Donc, on a le maître ascensionné, Sananda, qui est avec nous. Et on a donc l'ange guérisseur. On a donc derrière l'ascension de la lumière. Et la carte que j'ai tirée donc en premier, c'est la flamme éternelle, l'antiquité des jours, la flamme éternelle. Donc déjà, c'est des bons auspices quand même qui se profilent à l'horizon. Alors effectivement, il faut voir par là la France insoumise, la réunion de toutes les personnes de gauche. On a aussi Marine Le Pen qui a fait un très bon score puisque il y a beaucoup de sièges au niveau de l'Assemblée nationale qui sont, je crois qu'il y en a 90, il me semble, pour le Rassemblement national. Donc c'est une avancée aussi, ceux qui aiment, qui n'aiment pas, ça c'est pas le problème, mais
au moins, il y a peut-être un changement que ce tout Macron. Et on a évidemment la gauche qui va peut-être jouer sur des questions de société, peut-être plus de société, donc peut-être plus intéressante par rapport aux grandes difficultés que rencontrent les Français. Alors avant de commencer ce tirage aussi, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, et de mettre un pouce en l'air. Allez, vous pouvez voir aussi une nouvelle vidéo que j'ai mis pour le rituel d'abondance, pour la fête du solstice d'été. J'ai aussi une vidéo de présentation de mes dernières nouveautés et des événements que je propose. Donc c'est nouveau, les baptêmes spirituels païens, et je propose d'organiser, donc d'être maître de cérémonie pour vos mariages laïcs, païens. Voilà, avec des rituels que l'on peut faire. Voilà, vous trouverez tout ça sur sandrinecoudert.fr et vous pouvez m'appeler directement pour avoir un rendez-vous, une consultation. Évidemment, il y a du monde, il faut faire preuve de patience. Allez, on y va. Merci pour la France. Alors après le chaos des législatives, comment est-ce que cette France va être gouvernée, s'il vous plaît? Merci aux guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons pour la France? L'impératrice et la lune. Alors là, on a une femme qui est, on va dire, vacillante. Donc là, on a, avec cette configuration-là, on a une femme qui est un peu dans la dépression, qui est un petit peu dans le doute, qui doute d'elle énormément et qui se... Là, donc, on a la lune, donc c'est quelqu'un un petit peu de lunatique, quelqu'un qui est changeante, quelqu'un qui dit un jour noir, un jour blanc. On a une tendance à une personne, là, qui est quand même assez changeante au niveau de ses énergies. Ah oui, alors, donc là, elle faisait preuve jusque-là de force quand même, cette femme. Donc, je pense que c'est peut-être la première ministre, je crois qu'on dit comme ça. Pardon si j'ai écorché le mot. Donc là, on a peut-être la première ministre, donc, qui faisait preuve jusque-là de grande force, mais là, qui est vacillante, qui est changeante. Là, on sent qu'elle montre un coup de faiblesse quand même. Hein. Il va y avoir des changements politiques par rapport à cette femme. Il va y avoir des changements politiques par rapport à cette femme. Il y a un homme qui, comment dirais-je, qui la seconde, qui l'aide, qui lui donne la main. Enfin, je sais pas, il y a quelqu'un qui est comme un, comment dirais-je, pas un professeur, mais un conseiller ou un tuteur, je sais pas, quelqu'un qui est là, mais qui va apparemment partir ou qui ne va plus se préoccuper d'elle. Ouais, voilà, il est bloqué. Ah ben là, il est complètement bloqué. Donc là, il s'effondre. Cette personne s'effondre et je pense qu'elle va s'effondrer aussi. Je pense pas qu'elle va tenir sur le long terme, Elisabeth Borne. Donc, il va avoir apparemment quelqu'un qui va la remplacer peut-être plus tard. Ce serait plutôt quelqu'un de masculin, plutôt quelqu'un d'homme. Je sais pas, si c'est pas un homme, en tout cas, il y a de grandes énergies masculines là. Voilà. On a des grandes énergies masculines, tout ça. Et moi, je sens, voilà, que ça va changer par rapport au gouvernement. Il va y avoir des places qui vont sauter. Hein. C'est possible que ce soit une femme, alors avec des fortes énergies masculines. Hein. C'est possible, parce que là, on a quand même une femme, mais peut-être un peu plus jeune, alors. Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec l'âge aussi. Hein. Il y a quelque chose. Bon, donc là, c'est ce qui va se passer là bientôt. Hein. C'est dans l'immédiat. On va voir un petit peu comment cette France va pouvoir être gouvernée. Est-ce qu'il y a des alliances qui vont se faire au niveau de la France? On va regarder un petit peu tout. On va regarder comment ça va au niveau du pass aussi, du vaccin. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à ça, par rapport au vaccin? Est-ce qu'il y a un rebond épidémique? Là, j'ai vu aussi, il y a un rebond. Comment ça va se positionner par rapport à tout ça? Allez, on va voir aussi par rapport au pouvoir d'achat. On va regarder tout ça. Allez, on va voir un petit peu, donc, par rapport aux événements récents, qu'est-ce qui va se passer dans la France cet été ou à la rentrée? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut s'attendre à des choses négatives, peut-être? Je sais pas. Alors, donc, déjà, première carte qui ressort, c'est pas encourageant, on a la carte du diable.
La carte du diable, ça symbolise aussi le pouvoir, l'excès de pouvoir. Ça symbolise un contrôle des populations quand même, un contrôle des addictions. Normalement, le diable, c'est le sexe, le pouvoir, le contrôle. Ça dépend sous les cartes qui sont associées à côté. Et moi, ce que je ressens là au niveau des énergies, au niveau de la médiumité, ce que je ressens, c'est le mal. C'est un pouvoir en place négatif qui tourne à l'envers. Qu'est-ce que ça signifie tourner à l'envers? Tourner à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait tout contre le peuple. Voilà, c'est contre une idée, contre une pensée, contre on essaie de renverser un petit peu la vapeur. C'est ce que je ressens avec ce gouvernement là en place, hein. Alors moi, ce que je ressens, c'est que ce gouvernement en place actuellement, il a une ligne conductrice, il a une directive qui doit absolument tenir. Voilà, et lui, il suit la directive. Donc il y a quelqu'un qui donne des ordres et lui, il continue, il suit derrière. Alors moi, ce que je ressens, c'est que la personne qui est seule et qui dirige là derrière lui, là, l'ermite, lui, il est seul, il donne, c'est un chef d'orchestre et puis les autres, ils exécutent, d'accord? Moi, je sens qu'il va avoir quelque chose par rapport à cette personne-là. Cette personne-là va se retrouver sans rien. Moi, je ressens fortement que cette personne va tomber. Elle va tomber parce qu'il y a des gens qui vont parler. Il y a des gens qui vont parler, qui vont révéler des secrets, qui vont sortir des cadavres dans le placard. Et cette personne, elle va tomber. Elle va être mise en lumière. Et donc, elle ne pourra plus exercer ce pouvoir sur cette personne-là, cette personne qui est le chef d'orchestre du pays. Hein. J'ai une image aussi de la Russie. On me dit que le président ukrainien, là, il est faux. On me dit que le président ukrainien, il est complètement faux. Que c'est faux tout ce qu'il fait. Alors. Donc là, c'est le président. C'est ça. Voilà. Alors, je vais vous dire exactement ce qui ressort. Donc là, ça, c'est le président actuel. On a donc des lois qu'il va faire passer quand même, hein, sans problème. Hein, je veux dire, il va réussir à avoir une coalition avec un parti, un parti politique. Hein, il va réussir à enrober quelqu'un avec des promesses, avec des solutions, etc. Il va essayer de cette personne de l'avoir. Sous sa coupe, c'est une femme apparemment qui va un petit peu endormir comme ça. C'est une femme apparemment. C'est ça, c'est une femme. Alors, on dirait plutôt que c'est la gauche qui va réussir à faire tourner de Kazakh, quoi. J'ai l'impression que la gauche va quand même pas mal voter pour lui. Hein. La gauche, ils ont l'air de faire le soi-disant le parti contestataire, mais moi je vois pas trop contester quoi que ce soit. Moi je vois plutôt qu'ils vont passer les lois du président. Hein. Voilà. Alors ce président que l'on a actuellement. Président changeant, hein. C'est un président qui a des idées. Un jour il est bien, le lendemain il n'est pas bien, il est quand même assez changeant au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions. Moi je ressens que c'est quelqu'un qui retient ses émotions, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Et j'ai l'impression que même les gens qui le connaissent depuis longtemps, ils n'arrivent pas à le cerner vraiment. Il donne une image plutôt, une image cool, alors qu'il ne l'est pas du tout. Moi, je sens cet homme habité par une force obscure quand même. Je sens cette personne habitée par une force obscure et... Ouais, voilà, bon. Alors, moi, ce que je ressens quand même, c'est que son gouvernement, il va quand même se casser la figure. Hein. Il va essayer de maintenir quand même la cadence, mais bon nombre de lois qu'il va vouloir faire passer... Hormis quelques-unes pas trop graves, hein, que la gauche va voter pour lui en sa faveur. Le reste, il va avoir quand même beaucoup de bâtons dans les roues. Hein. Ah ben oui, il va être complètement bloqué complètement. Hein.
Oui, ça va être un petit peu le clairon, hein. Ça va sonner un petit peu la fin de son mandat quand même, parce que ça va être super compliqué ce quinquennat quand même, hein. Et la fin, voilà. Alors, il y a quand même la fin de cette personne, la fin politique, hein, je parle bien évidemment, la fin politique de cette personne. Hein. Alors moi, je pense qu'il va retourner aux finances, lui, hein, quand même, hein, quand il aura fini sa carrière politique, hein, il retournera dans le milieu financier et il fera ses premiers amours, on va dire. La personne dont je vous parlais, qui est dans l'ombre, qui ne pourra plus asseoir son autorité, c'est une personne qui va être rattrapée par des ennuis juridiques. Voilà. Alors, on a des cartes qui sont tournées. Donc, on a la protection adversaire et la sagesse. Hop là, l'équité qui est tournée, qui a tombé. Allez, pour la France, donc après ce code législatif, est-ce que cette France est gouvernable ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est une belle erreur. Hein. Là, on nous dit que c'est une erreur. Donc, une erreur d'avoir choisi ce gouvernement, tout simplement, hein, d'avoir fait passer ce gouvernement. Parce que ce gouvernement, il voudrait en fait être là pour toujours. Voilà, pour toujours et à jamais. Hein. Mais ils vont se sentir bien isolés. Hein. Non, c'est la fin. D'accord. Voilà, ben, c'est possible qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son mandat. Hein, qu'il y ait des événements qui fassent qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Hein. Il va se passer quelque chose, en tout cas, il va sûrement avoir quelque chose qui va faire que, je sais pas, il va y avoir une... Je ressens quand même... Alors, je vais prendre mon pendule, on va demander peut-être au guide s'ils peuvent nous dire autre chose, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait s'exprimer sur la France, sur... Après les législatives, après ce chaos, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Merci, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? D'accord. Donc là, je suis connectée à un général, hein, un homme de militaire. Le clairon, le feu. Alors là, il me dit. Alors je pense que c'est De Gaulle. Hein, je pense que c'est le général De Gaulle qui est là. Qui est connecté avec moi et il m'envoie des images. Alors, des images déjà de la guerre en Ukraine. Alors, ce qu'il me dit déjà dans un premier temps, c'est que en septembre, il va avoir un remaniement des ministres. Il va remanier des ministres. Il va avoir aussi l'armée dans les rues. Il va devoir faire sortir l'armée dans les rues parce qu'il va avoir un gros soulèvement, un gros problème, peut-être en septembre ou en octobre, enfin je sais pas, dans ces eaux-là, il va y avoir encore des civils attaqués. Suite à un événement, il va y avoir un événement et puis il va y avoir des civils attaqués, quelque chose. Hein. Il me parle aussi d'un attentat dans un supermarché. Il va avoir énormément de problèmes à Paris, hein. Beaucoup de problèmes, hein. Des soulèvements, ce sera par rapport à un ministre très difficile, très dur, qui va trop serrer la ceinture des Français. Je sais pas, il va y avoir quelque chose qui va faire que, il me dit... Il y a des soucis avec des élections aussi. Je sais pas, il va y avoir des preuves comme quoi l'élection elle avait été truquée. Il va y avoir des preuves concrètes. Alors il me parle aussi de toutes ces personnes qui ont porté plainte pour le vaccin, là. Toutes ces personnes qui... il me parle des victimes de ce vaccin, enfin de plusieurs vaccins pour le Covid. Il me dit qu'il va avoir une résistance aussi par rapport
à la vaccination, c'est-à-dire que le virus, il va muter, il va avoir encore des variants, ils vont vouloir revacciner encore quatrième dose, cinquième dose, et remettre au goût du jour le tout ce qui est autorisation, passe vaccinal et compagnie. Et là aussi, il va avoir encore une, voilà, il va avoir une des manifestations, mais d'une très très grande ampleur, avec des victimes et un collectif qui va se battre pour les victimes. Voilà, il me parle de ça. Il me parle d'un collectif qui va se battre pour les victimes. Voilà. Donc, il va avoir quand même grand nombre de personnes. Hein. Bon, merci, Général de Gaulle. Si, de toute façon, si j'ai de nouvelles informations, je vous les passe. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des sorcières. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Très, très belle âme. Alors, l'armée dans les rues, ça m'inquiète un petit peu quand même, mais... Allez, on y va. Ah, la France a un héritage lourd. Un héritage très très lourd. On a l'héritage et l'échec et les perturbations. C'est-à-dire que la France a un héritage extrêmement lourd au niveau de son inconscient collectif, au niveau de ses mémoires. La France a un collectif très 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 lourd qui fait qu'elle est aimée, mais elle est aussi détestée, haïe par grand nombre de la population qui déteste la France. Et ce qu'elle représente dans le monde entier. Alors, il y a un désir de transformation, c'est-à-dire qu'il y a dans le gouvernement, ou peut-être dans les années à venir, je ne sais pas, des personnes qui désirent profondément que la France ait une image beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire, beaucoup plus... aimante, qu'elle soit aimée, donc, et qu'elle communique plus, parce que ce soit clair, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que la France s'est engouffrée dans des sales affaires, dans des mémoires collectives extrêmement lourdes, notamment, par exemple, pour la Deuxième Guerre mondiale aussi, qui a eu quand même des collabos, etc. Alors, il y a eu aussi les colonies, il y a eu le passé colonial, le passé... Voilà, il y a eu énormément de passés de mémoire. Mais j'ai l'impression qu'il y a un désir en fait d'évacuer tout ça. C'est comme si la France elle-même, elle voulait se dégager de tout ça. Voilà, se dégager de tout ça. Et j'ai l'impression quand même que ça va arriver parce qu'il y a une croissance et une joie quand même. Voilà, alors pour parler des pénuries et des choses comme ça, moi j'ai l'impression quand même que ça va rester d'un point de vue... d'un point de vue tarifaire. C'est-à-dire qu'il y a certains... produits, certaines catégories de produits qu'on ne pourra pas s'offrir parce que ça sera trop cher, les prix vont trop augmenter. Moi, j'ai pas l'impression que les magasins vont être complètement vides et qu'il va y avoir un arrêt parce qu'on parle beaucoup de pénurie alimentaire, mais moi, je ne vois pas les choses sous cet angle, je vois les choses avec un peu plus d'optimisme quand même. Voilà, parce qu'il y a toujours des moyens de s'arranger, comme on dit. Alors, on va finir par tirer, donc, pour ce tirage législatif, bon, ben écoutez, ça va être un pays gouvernable à moitié, il y aura des coalitions, et puis la gauche va beaucoup, beaucoup, beaucoup faire passer les lois de Macron. Hein. Le seul vraiment qui vont dire non, c'est beaucoup le RN. Hein. Et les Républicains aussi, on me dit les Républicains. On me parle du général de Gaulle, d'accord, on me parle aussi d'un homme militaire assez âgé qui va beaucoup passer à l'action pour plein de choses par rapport à la France. Alors, on arrive dans un âge d'or quand même.
On arrive dans un âge d'or, c'est-à-dire qu'on a la lune rousse qui est là pour nous dire que la guérison est là, et avec un âge d'or. Donc moi, je pense quand même que, mine de rien, le fait d'avoir des députés un peu de tous bords et de ne pas avoir la majorité présidentielle, je pense que c'est plutôt positif pour la France que négatif. Voilà. Il y aura encore des choses à manier parce que ce n'est pas tout à fait encore ça. Il y a encore des choses à remettre en ordre. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt positif. Voilà les amis pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager autour de vous et à me laisser un petit commentaire sur ma boîte mail. Donc je vous rappelle ma boîte mail, latv2sandrine, pardon, j'ai oublié le 83. La TV de Sandrine, pardon, 83@yahoo.com, je répète, la TV de Sandrine, 83@yahoo.com. On se retrouve prochainement pour des lives, de nouvelles vidéos, peut-être des reportages aussi, qui sait. Et puis voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt.